parole contre parole. Depuis mi-avril, Johnny Depp et Amber Heard s'affrontent dans un procès ultra médiatisé aux États-Unis. L'actrice accuse son ex-mari de violence conjugale, tandis que la star de Pirates des Caraïbes conteste les faits, accusant la jeune femme de diffamation. Après la prise de la parole de l'acteur au tribunal de Fairfax, en Virginie, c'est désormais au tour d'Amber Heard de s'être présentée à la barre pour donner sa version des faits. Et ce jeudi 5 mai, cette dernière a livré un récit glaçant d'une nuit d'horreur, durant laquelle Johnny Depp aurait menacé de la défigurer avec une bouteille brisée, avant de la violer. Johnny a mis une bouteille en moi. Et je me souviens avoir essayé de me débattre, mais je glissais sur la vitre. Mes pieds glissaient. J'essayais juste de respirer pour lui dire qu'il me faisait vraiment mal et qu'il ne savait pas ce qu'il me faisait, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Mais Amber Heard a également profité du temps de parole qui lui était accordé pour évoquer une victime collatérale du comportement de son ancien compagnon, la fille de ce dernier, Lily Rose Depp, née de sa précédente histoire d'amour avec Vanessa Paradis. En effet, d'après l'actrice américaine, sa belle-fille aurait également été victime des écarts de Johnny Depp. Selon elle, il aurait notamment invité à dormir chez eux un ami musicien beaucoup plus âgé que la jeune fille, alors que cette dernière avait un faible pour lui. Amber Heard, je me sentais protectrice envers Lily Rose. Amber Heard a aussi confié que le père de famille aurait poussé Lily Rose Depp à consommer du cannabis alors qu'elle n'avait que 14 ans. Je me sentais protectrice envers Lily Rose et inquiète, et naturellement, ce n'était pas mes enfants, ce n'est pas ma place et je le comprends, je sais que c'est un sujet sensible donc je comprends pourquoi Johnny s'est tellement énervé contre moi, a poursuivi Amber Heard, avant de conclure, en larmes, elle était si jeune. Je me sentais juste protectrice. Pour l'heure, Lily Rose Depp n'a pas souhaité s'exprimer sur ce procès qui réserve son lot de surprises jour après jour. Loading Widget.